Un drame familial s'est déroulé mardi à Oklahoma City, au centre des États-Unis. Quinton Deshaun Laster, 20 ans, est suspecté d'avoir tué et décapité sa grand-mère et son mari. Les corps de Sharon Reed, 59 ans, et James Earl Reed, 78 ans, ont été retrouvés dans cette maison où il vivait avec le jeune homme. Sharon Reed utilisait régulièrement sa maison comme garderie, et d'après la police, trois enfants étaient présents au moment du drame, mais n'ont pas été témoins directs des meurtres. C'est une voisine qui a donné l'alerte après avoir parlé avec le jeune homme juste après le drame. En arrivant sur place, les forces de l'ordre ont trouvé le suspect devant chez lui. Il a tout de suite été placé en détention pour meurtre.